Oui, je regarde si tu as filmé en fait. Okay. Allez, vas-y. Je le vais appeler où? Vélo.
Ah, ça c'est sûr. Essaie plutôt de te mettre peut-être. Pas sur la terre. Ouais, ouais. Pour que le mec il soit. C'est ça, ça s'enfonce et que ça se casse la gueule, quoi. Ouais, plutôt sur le macadam, comme ça c'est plus stable. Voilà. Et toujours, voilà, toujours à droite, voilà, contre la butée. Toujours à droite, voilà. Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, vidéo balade. Voilà, c'est une petite balade improvisée avec mon beau-frère. Voilà, je fais découvrir le Solex. Donc, je suis venu avec mon Solex 3800 laboratoire qui est juste là, voilà. Hein, autrement dit, appelé la merguez, voilà, une authentique merguez. Hein, t'as vu ça? Regarde-moi cette merguez. Hein. Elle est pas, quand même pas magnifique la merguez. C'est la merguez, merguez parti. Et c'est pas tout, je suis venu aussi avec mon classique noir de 1971. On va se faire un petit parcours d'environ une trentaine de kilomètres, voilà. Voilà, grand maximum 30 km. Et puis je le fais découvrir, voilà. Bon, il est juste derrière moi, mais il n'a pas trop envie d'être à la caméra, vous l'excuserez, il est un peu timide. Voilà, je le vois qu'il sort la gueule. Mais voilà, c'est pour le charrier un peu. Voilà, donc on est là, le long du canal entre la Bourgogne et la Champagne, voilà. Et nous sommes sur la commune de Riaucourt, voilà. Riaucourt, pardon, je me trompe, Riaucourt. On est passé au niveau de Bretenay, on va aller jusqu'à Bologne. Oui, il y a Bologne en France, voilà. Bologne, en Haute-Marne, voilà. Et à partir de Bologne, on va bifurquer et puis on va revenir sur Chaumont, voilà. Donc voilà, on continue la balade. Et puis voilà, c'est un petit moment plaisir à deux, voilà. Donc de toute façon, sur la vidéo embarquée, vous allez le voir de dos, en train de dépasser, voilà. Voilà du petit moment de roulage sympathique pour se faire plaisir. Allez, on continue. J'ai filmé, c'est en fait, tu vois, là c'est notre entreprise de thermolacage et c'est là que je fais les cadres, voilà. Attends, je vais le mettre en face.
Bah, tu peux mettre la bécile toi si tu veux. Moi j'ai pas de bécile, alors faut que je la mette sur le poteau. Ouais, c'est clair. C'est des boîtes en Solex. Bon ben voilà les passionnés, je fais une petite pause, voilà, petite pause dans le secteur industriel de la ville de Bologne, donc notre point de retour. Et j'en profite pour m'arrêter devant l'entreprise Applicolor, voilà. Applicolor qui est juste derrière moi, voilà. Donc c'est là que je fais thermolaquer mes Solex, enfin mes cadres de Solex, démontés, tout en pièces démontées, voilà, que je démonte entièrement, hein, que je fais poncer d'abord au gros grain, personnellement, je ponce au gros grain pour gommer les imperfections en premier lieu. Et après, j'envoie dans un carton toutes les pièces de cadre, voilà, comme celui-ci que c'est fait, ou celui-ci aussi, ça a été fait ici chez Applicolor, voilà. Donc j'en profite pour cette prise, hein, je ne gagne absolument rien à faire la pub, mais voilà, je veux quand même rendre leur hommage au travail, au beau travail qui est fait sur les Solex, voilà. Donc que ce soit bien, si bien la merguez qui est là, que mon classique noir de 1971, ça a été thermolaqué dans cette entreprise, voilà, chez Applicolor. Voilà, et si vous voulez un ordre d'idée, faut compter 150 euros la prestation, c'est-à-dire sablage et thermolaquage. Voilà, c'est à peu près le coût de revient pour faire un Solex. Refaire un Solex, pardon. Voilà, donc je vais faire cette petite halte, voilà, parce que beaucoup me demandent comment quand je refais mes Solex, si je vais chez un carrossier et thermolaquage. Mais moi, c'est que thermolaquage. Et puis, on va continuer la balade. Allez, c'est parti, on continue.
Thank you.
Bon bah voilà les passionnés, fin de la balade, hein. Nous sommes dimanche, le lendemain de la balade de samedi avec mon beau-frère, voilà. J'ai pas pu conclure la soirée même puisque déjà le crépuscule s'annonçait déjà, donc j'ai préféré commencer à remballer. Et puis là il me reste plus que ma merguez, voilà, mon 3800 laboratoire. Un petit coup de nettoyage parce qu'il est un peu dégueulasse, ça c'est à cause de la mise à carbu à l'air. Donc ça se feinte un peu. Et donc en tout cas je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.